Donc, je vais parler de Ron Rash, Un pied au paradis. Alors, ce livre, c'est censé être un roman policier, mais c'est bien plus qu'un roman policier. Ça se passe dans les années 50 aux États-Unis. Le shérif de ce petit village va être appelé un matin à l'aube parce que un homme a disparu. Cet homme, c'est Holland. Il a fait la guerre et il en est revenu un peu cassé, on peut dire. Et le shérif va donc enquêter sur cette disparition et nous allons enquêter avec le shérif. Très vite, nous allons savoir et comprendre ce qui est arrivé à Holland et nous allons l'apprendre en fait non seulement par la voix du shérif mais également par la voix de quatre autres personnages. Malgré le fait que l'histoire soit racontée presque cinq fois, à chaque fois il va apprendre de nouvelles choses. Et donc ça c'est vraiment, vraiment je trouve tout à fait novateur, intéressant et qui fait en sorte qu'on ne se lasse jamais à aucun moment. Puis au-delà de l'histoire, il y a cette description psychologique des personnages qui est vraiment formidable. Et on va trouver en fait cinq styles différents. C'est-à-dire que Ron Rash va adapter son style à chacun des personnages. On est complètement pris dans l'univers de Ron Rash et on a vraiment envie d'y rester.